Mi nombre es Karina Sainz Borgo, Soy autora de La hija de la española, novela publicada por El Sello Lumen y de la que les voy a leer el comienzo. Enterramos a mi madre con sus cosas: el vestido azul, los zapatos negros sin cuñas y las gafas multifocales. No podíamos despedirnos de otra manera. No podíamos borrar de su gesto aquellas prendas. Habría sido como devolverle incompleta a la tierra. Lo sepultamos todo, porque después de su muerte ya no nos quedaba nada. Ni siquiera nos teníamos la una a la otra. Aquel día caímos abatidas por el cansancio. Ella en su caja de madera, yo en la silla sin reposabrazos de una capilla ruinosa. La única disponible de las cinco o seis que busqué para hacer el velatorio y que pude contratar solo por tres horas. Más que funerarias, la ciudad tenía hornos. La gente entraba y salía de ella, como los panes que escaseaban en los anaqueles y llovían duros sobre nuestra memoria. Nous avons enterré ma mère avec ses affaires sa robe bleue, ses chaussures noires à talons plats et ses lunettes à double foyer. Impossible de faire nos adieux autrement, impossible de dissocier cette tenue de son souvenir, impossible de la rendre incomplète à la terre. Nous avons tout inhumé, parce qu'après sa mort il ne nous restait plus rien, pas même la présence de l'une pour l'autre. Ce jour là nous nous sommes effondrés d'épuisement, elle, dans son cercueil en bois, moi, sur la chaise sans accoudoir d'une chapelle en ruine, la seule disponible parmi les cinq ou six que j'ai cherchés pour organiser la veillée funèbre et que j'ai pu réserver pour trois heures seulement. Plus que de funérarium, la ville regorgeait de le fours. Les gens y entraient et sortaient comme ces pains qui se faisaient rares sur les étagères et pleuvaient de rue dans notre mémoire quand la faim revenait. Si je parle encore au pluriel de ce jour-là, c'est par habitude parce que les années nous avaient soudés comme les lames d'une épée avec laquelle nous nous défendions. En rédigeant l'inscription pour sa tombe, j'ai compris que la mort commence par le langage, dans cet acte d'arracher les êtres au présent pour les ancrer dans le passé, pour les réduire à des actions révolues qui ont commencé et fini dans un temps qui s'est éteint. Ce qui fut et ne sera plus. Telle était la vérité. Ma mère n'existerait plus que conjuguée d'une autre manière. En l'inhumant, je mettais un terme à mon enfance de fille sans enfant. Dans cette ville à l'agonie, nous avions tout perdu, y compris les mots, au temps présent.